Bonjour, je suis Gilles Goujon. Mon restaurant s'appelle l'Auberge du Puy, se trouve à Fanjoncouze, dans les Corbières. Ça fait 25 ans que nous sommes établis. Nous avons commencé le 12 juin 92 avec mon épouse Marie-Christine. Nous étions deux. Et aujourd'hui, nous sommes 48 et nous avons réussi à décrocher 3 étoiles Michelin et 19,5 au Gomillo. Alors, je vais vous amener maintenant dans ma cuisine où nous allons faire ensemble la recette de la tourte d'anguille en matelote au vin rouge des Corbières. Nous allons donc faire la tourte d'anguilles. Les anguilles ont été hier marinées toute la nuit. Là, on vient de les égoutter avec la garniture de légumes. Voilà, donc on les assaisonne avant de les fariner. Sel, poivre. Voilà, on farine légèrement, c'est pas la peine de trop les fariner. Et donc là, on va les faire revenir à la poêle. Voilà, on les fait revenir, mais sans trop les brusquer, c'est pas la peine. Là, on va faire vraiment une cuisson dans le vin. Donc il vaut mieux qu'elles soient un peu plus grosses pour qu'elles profitent bien de l'action du vin. Donc voilà, quand elles sont bien revenues, elles sont bien dorées. On les met dans la petite marmite. Là, on y adjoint 150 g de poitrine fumée, toujours dans la même poêle. Hein. Donc, on fait bien pincer cette poitrine. Une fois que la poitrine fumée a bien rendu sa graisse, on y incorpore la garniture. Donc, c'est la garniture qui a mariné toute la nuit avec les anguilles. J'y ajoute un clou de girofle, 4-5 baies de genièvre. Et maintenant, juste un petit flambage au cognac. Voilà, donc on a les anguilles qui ont été sautées, la garniture qui a été sautée avec le lard fumé et flambé au cognac. Et maintenant, le vin de la marinade, on va mouiller avec, tout simplement. On a amené le vin à l'ébullition, juste pour pouvoir enlever cette écume, nettoyer les impuretés que les anguilles ont pu laisser dans la marinade pendant la nuit. On va laisser cuire comme ça gentiment, 15 à 20 minutes. Donc nous avons préparé un pain de mie noir à l'encre de sèche, que nous avons cuit et fait maison. Là, maintenant, on va le tailler à la machine Whisper, très finement. Cette machine permet justement de faire des tranches très fines, ce qui va nous permettre de préparer notre petite cage pour la tourte d'anguille. Alors, l'avantage qu'on a sur cette machine, c'est qu'il y a une lame en téflon. La lame en téflon est antidérapante et ça permet de... que ça n'accroche pas, quoi. C'est vraiment un ustensile fabuleux. Et en plus, là, on a une version bois d'olivier qui est très, très clean, là. Hein. Vraiment, c'est le fin du fin. Voilà. Je crois que j'en ai assez. Toujours le pain de mie qu'on a tranché à la machine Whismer. On a taillé très finement, comme ça. C'est magnifique. Je fais juste deux trous. C'est un où je mets une petite carotte dedans et l'autre, le service en salle, peut mettre à la sauce. Donc on a juste un cercle sur lequel on a mis une petite feuille de téflon antidérapante. Notre pain de mie qu'on a retaillé de façon régulière, on le beurre, on va l'enrouler autour de notre cercle et on va venir juste le maintenir pour pas qu'il s'ouvre pendant la cuisson sur la jointure. Et maintenant on va mettre ça dans le four. Donc les anguilles sont cuites. On les égoutte. Nous, on va les mettre en cellule, mais à la maison, vous les faites refroidir pour qu'on puisse les éplucher, enlever la peau et les lever en filet. Un peu de poitrine fumée qu'on va faire revenir et les oignons. Alors, je rajoute de la poitrine fumée parce que j'insiste sur ce goût-là. Je veux que ma sauce ait le goût de légèrement de fumée. Et d'abord, je fais bien pincer de façon qu'à la fin de la réduction, on retrouve ce côté fumé dans la sauce. Voyez là, ça sent bon là. Hein. On pourrait presque vous l'envoyer un petit peu. Vous le sentez là, vous, chez vous, là? Et donc maintenant, on remet le vin dans lequel on a cuit les anguilles et on va laisser cuire et réduire. Donc voilà, les anguilles sont refroidies. Donc maintenant, eh ben, je les épluche comme ça, tranquillement. Alors, j'enlève la peau. Là, maintenant, ça, je ne vais pas le jeter tout de suite. Pendant que le vin réduit, dans la sauce, je vais incorporer les peaux d'anguilles. Alors maintenant, on va lever juste les petits filets, tout petits filets qu'on prend dans les tronçons, comme ça.
qu'on fait bien propre, de façon qu'il n'y ait pas d'arête. Facile à faire, hein. Et du coup, l'arête, eh bien, on va la mettre aussi dans la sauce. Vin bien réduit, les peaux, les légumes ont donné tout ce qu'elles avaient donné. On passe au chinois. Alors maintenant, on va le terminer avec un peu de roux. Voilà, donc après, on fouette bien pour éviter qu'il y ait des grumeaux. On va rectifier l'assaisonnement. Donc on la repasse à nouveau. Et là, je vais le faire sans fouler. C'est juste pour passer, pour la filtrer, pour qu'elle soit belle. Pas besoin de fouler. Je la réduis encore un peu. Alors on baisse légèrement le feu. Et on monte au beurre avec des petits carrés de beurre frais dans la sauce bien chaude. Et on évite de faire bouillir maintenant. Et ce que j'aime bien toujours ajouter un petit peu, ça relève, mais c'est pas trop fort. Et en même temps, ça parfume, c'est du piment d'Espelette. On a préparé une petite garniture de poitrine fumée, de carottes et de champignons qu'on a déjà pré-cuit. Et là, on va les terminer juste avec un peu de sauce et du beurre. Quelques petits champignons de Paris et des petits cèpes. Carottes, poitrine fumée. On fait une deuxième casserole, parce que celle-ci, ça va à l'intérieur de la tourte, et les autres, ça va être un élément de décor. Voilà, l'ensemble des ingrédients sont prêts, l'anguille est en train de réchauffer, la garniture est là, la sauce est terminée, on va pouvoir dresser. Maintenant, donc, le dressage, les anguilles réchauffées bien chaudes, la garniture qu'on a fait réchauffer, on va en prélever une partie qu'on glisse à l'intérieur. Maintenant, l'opération délicate. On y glisse notre petit couvercle par-dessus, une purée d'ail, un petit cep, un champignon de Paris, et on va changer, on va mettre une girole, la petite carotte fan, un oignon glacé, quelques petites feuilles de chips de persil, la sauce bien chaude en saucière, et donc on va servir la sauce dans ce petit trou. Merci, bon appétit, merci de votre patience. We'll be right back.